Living Seed Media brings to you God's Word, which is His comprehensive equipment for changing lives. May the Lord impact your heart as you encounter His Word. For further inquiry or counsel, contact Peace House, P.O. Box 971, Boko, Benue State, Nigeria. Telephone numbers 0703-036-3659, 0703-768-1198. Email address lsmedia@livingseed.org or visit our website at www.livingseed.org. Let us sit back and listen as the servant of God brings forth the word of life. Judges and chapter 15. Le premier passage qui est le thème, le passage du thème est Juges chapitre 15. Verse 3, verse 4, verse 5, verse 6. Que vous puissiez lire versets 4, 5, 6. We can even read up to verse 7. On peut même lire jusqu'au verset 7. And Samson said concerning them, Now shall I be more blameless than the Philistines, though I do them a displeasure. Donc suivez la lecture. And Samson went and caught 300 foxes, and took firebrands, and turned tail to tail, and put a firebrand in the midst between two tails. And when he had set the brands on fire, he let them go into the standing corn of the Philistines and burnt up both the shocks and also the standing corn with the vineyards and olives. Then the Philistines said, Who has done this? And they answered, Samson, the son-in-law of the Timnite, because he had taken his wife and given her to his companion. And the Philistines came up and burnt her and her father with fire. And Samson said to them, Though you have done this, yet will I be revenged, I'll be avenged of you. And after that, I will cease. He stopped. Let's stop verse 7 there. On s'arrête au verset 7. The other passage we have been referring to. Le second passage. Luke 12. Luke chapitre 12. Chapter 12 verse 49. 49. Let's quickly look at that together. On va rapidement lire ensemble. Vous suivez la lecture. I am come to send fire on the earth. And what will I, if it be already kindled? But I have a baptism to be baptized with. Verse 50. Verse 50. And how am I straitened till it be accomplished? Suppose ye that I am come to give peace on earth? I tell you, no, but rather division. For from henceforth there shall be five in one house, divided, three against two, and two against three. The father shall be divided against the son, and the son against the father, the mother against the daughter, and the daughter against the mother-in-law against her daughter-in-law, and the daughter-in-law against her mother-in-law. Strange passage. C'est un passage étrange. Strange. C'est étrange. And you don't expect that kind of passage from the mouth of Jesus. Et vous ne vous attendez pas à voir ce genre de parole de la bouche de Jésus. Who we all call the Prince of Peace. Que nous appelons tous le Prince de Paix. Who will not hurt a fly.
qui ne va même pas faire du mal à une mouche. Sometimes we present Jesus. Parfois nous présentons Jésus. As that one that we always beg. Comme étant cette personne qui supplie toujours. That he will always succomb. Il va toujours succomber. And that whatever happens. Et que tout ce qui se passe. He will not fight. Il ne va pas riposter, il ne va pas lutter. His own is just to look for peace. Pour lui, c'est simplement de chercher la paix. Now we are meeting a very strange passage. Mais nous sommes en train de rencontrer un passage étrange. When it was the mouth of Samson. Quand c'était la bouche de Samson. I was going to look at Samson with a distance. I said, let's pick whatever I can pick from Samson and leave him alone with his problem. Je vais regarder Samson avec une distance, disant, je peux prendre simplement ce que je peux prendre, mais qu'il reste avec son problème. So the passage in Judges, we can only treat it with a limited application. Dans le passage qui se trouve dans Juges, on peut simplement traiter cela avec une application limitée. We can only learn from it as an illustration. On peut simplement apprendre cela comme une illustration. We cannot build a theology on Samson's foxes and fire. On ne peut pas bâtir, construire une théologie sur les renards et le feu de Samson. We cannot canonize that scripture as if it is something that we are going to be operating. On ne peut pas canoniser cela comme un passage qu'on va utiliser pour opérer. But it was useful because it gives us an illustration of what we are longing to see. Mais c'était utile parce que ça nous donne une illustration de ce que nous désirons faire. So all the issues we are going to raise in that scripture, I want you to understand that the context is that we are applying it at a limited level. Donc tous les points qu'on va tirer de ce passage de Juges, vous pouvez comprendre que le contexte, ça sera un certain niveau limité. And if that was the only scripture that we want to build this meeting upon, it would have been very vague. Et si c'était le seul passage sur lequel on devait bâtir le thème de cette réunion, ça devait être très vague. We would have been dealing with something that we cannot support. On serait en train de parler quelque chose qu'on ne peut pas soutenir. But when we come to the New Testament, mais quand on vient dans le Nouveau Testament, and we see Jesus, et que nous voyons Jésus, the Lord and our Master, le Seigneur et notre Maître, the Lord whose life is to be followed in every way, le Seigneur dont on doit suivre sa vie dans toutes les dimensions, when we see him speaking, si nous about, le voyons parler about fire, du feu, and about the effect it will create. Et de l'effet que ce feu va créer. That gives us a more biblical ground to study. Cela nous donne une base biblique de pouvoir étudier. Whereas for Samson. Et pourtant pour Samson. There is a little selfishness in what he did. Il y a un petit égoïsme dans ce qu'il a fait. He was fighting a personal battle. Il combattait un combat personnel. He paid for a woman and they gave the girl to another one. Il a donné la dot pour une femme et on a remis cette femme à une autre personne. And that was enough for him to deal with the whole village. Et pour lui, c'était suffisant de détruire tout un village. A man that had great anointing to do something for God. Un homme qui avait une grande onction pour faire quelque chose pour Dieu. Unfortunately, he used most of that anointing to fight his own personal selfish battles. Mais malheureusement, il a utilisé cette onction pour combattre son combat personnel et égoïste. And if not for God, et si ce n'était pour Dieu, he would have perished with the Philistines. Il devait périr avec les Philistins. But you see, he was a man of faith. Mais si vous voyez, il était un homme de foi. So when we return to the book of Hebrews, the Bible says, and among the heroes of faith, Samson was to be mentioned. Et quand on retourne dans le livre de Hébreux, on voit que parmi les hommes de foi, le nom de Samson est mentionné. Even though many things he did, we cannot approve. Malgré le fait que beaucoup de choses qu'il a, beaucoup d'actes qu'il a commis ne sont pas approuvés. But the anointing with which he operated was genuine. Mais l'onction avec laquelle il opérait était une onction vraie. The wisdom with which he operated came from above. La sagesse qu'il a utilisée pour opérer venait du ciel. The zeal that he had
was God's own zeal in his life. Le zèle qu'il avait était le zèle de Dieu dans sa vie. But mismanaged and misapplied and misappropriated. Mais ça c'était, il avait mal approprié cela, mal géré cela. But we thank God that he has preserved the story of Samson for us. Mais on remercie Dieu d'avoir préservé l'histoire de Samson pour nous. And it was a very great story for God to have kept the life of Samson in record. Et c'était une très grande histoire pour Dieu d'avoir gardé l'histoire de Samson dans les archives. If it was Samson we really want to study today, there's so much to study. Si ce n'est que la vie de Samson qu'on veut étudier aujourd'hui, il y a tellement de choses à étudier. But no, we're not studying him. Mais non, ce n'est pas l'histoire de Samson. We're only picking strategies that he employed. Nous prenons simplement les stratégies qu'il a utilisées. And if I were to have space, et si je devais avoir de l'espace, in the coming days, dans les jours à venir, and were to deal with strategic strategies for spreading the fire, et qu'on devait parler de la stratégie pour étendre le feu, definitely. I will want to study Samson again. Définitivement, je voudrais encore réétudier Samson. For his strategies. Pour sa stratégie, ses stratégies. That man was a strategist. Cet homme était une personne remplie de stratégies. And I wish I could learn his strategy without learning his wrong life. Et j'aurais bien souhaité aimer apprendre ses stratégies sans avoir à apprendre sa mauvaise vie. But he was a man of strategy. Mais il était un homme de stratégie. The jawbone of an ass. Slaughtering thousands. Il a juste pris la dent d'un lion pour tuer 1000 personnes. Cutting the foreskin of Philistines. Il a découpé la partie privée des Philistins. And arranging, and the whole country of Philistines were held to ransom because of one man. Et il a arrangé à ce que tout le pays des Philistins soit pris dans un piège à cause d'une seule personne. Strategies. C'est quelqu'un qui était rempli de stratégies. But this is not the time to deal with strategies for spreading the fire. Mais ceci n'est pas le temps pour nous de voir des stratégies pour étendre le feu. But I want to give God praise. Mais je veux donner la gloire à Dieu. That what we could not see in Samson. Que ce que nous n'avons pas vu en Samson. We can see it in Jesus. Nous pouvons le voir en Jésus. What we cannot close our eyes and learn from Samson, we can learn from Jesus. Ce que nous ne pouvons pas fermer les yeux et apprendre de Samson, on peut apprendre cela de Jésus. If you see Jesus appearing to be very forceful in this passage, ici il semble que Jésus vient avec force dans ce passage. I want you to know that it was not from a wrong heart at all. Et je veux que vous sachiez que ce n'était pas avec un mauvais cœur ou d'une mauvaise intention. And I'd like to tell you that something that God will have to put in you before you leave here is violence. Et je veux qu'il y a quelque chose que Dieu doit mettre dans votre cœur, et cette chose c'est la violence. You need violence. Vous avez besoin de la violence. You need violence to change the status quo. Vous avez besoin de la violence pour changer les statuts des choses. You need violence to penetrate a wall. Vous avez besoin de la violence pour pénétrer un mur. And actually, that's what they have been waiting for. Et en effet, c'est ce qu'ils attendent. And the kingdom of God suffers. Et le royaume de Dieu souffre. What does it suffer? Souffre de quoi? Eh? It's violence that the kingdom of God has ever suffered, not power. Le royaume de Dieu souffre de violence et non de la puissance. Not authority. Et non de l'autorité. But violence. Mais la violence. Majority of the men of the kingdom. La plupart des hommes du royaume. They will rather negotiate. Préfèrent toujours négocier. They will rather give space. Ils préfèrent donner de l'espace. They will rather give out portions of the land. Ils préfèrent donner une partie de la terre. And move inside their small cage. Et se retourner dans leur petite case. If they say, get out of the city. Si on dit, sors de la ville. The men of the kingdom will les hommes du royaume. And go to one corner. Faire marche arrière pour aller dans un coin. And build something. Et là, ils vont construire quelque chose. And they will be there. Et ils seront là. They say, well, ils disent, bon, this world is not our own. Ce monde ne nous appartient pas. They have driven us out of the city. Ils nous ont chassés de la ville. And so they will do like this. Alors, ils vont se... When they bring out another decree, et quand on apporte un autre décret, nobody should do this again. Personne ne doit encore faire ceci. They say, you know, we are law-abiding citizens. We just have to obey that. Loi. Il faut qu'on obéisse so à cette obey. Loi. Alors ils vont obéir. The kingdom does not suffer power. Le royaume ne manque pas de pouvoir. It only suffers violence. Mais ça manque simplement la violence.
And only the violent will take it by force. Et ce n'est que les violents qui s'en accaparent. So as we are talking, alors pendant que nous parlons, there is a force that must be released. Il y a une force qui doit être libérée. There's a violence that we must catch. Il y a une violence qu'on doit s'accaparer. And there is a fire that must burn. Et il y a un feu qui doit brûler. Did you notice I'm putting some three things together here? Vous remarquez que j'ai mis trois choses ensemble? I said there is a force that must be involved. Une force. There's a violence we must acquire. Il y a une violence qu'on doit s'accaparer. And there's a fire that must burn in us. Il y a un feu qui doit brûler en nous. For these things that heaven is talking about. Pour ces choses que le ciel est en train de parler. To become a reality. Pour qu'elles deviennent une réalité. Hallelujah. Hallelujah. I want you to see few things quickly. Donc nous puissions voir certaines choses rapidement. And as we do it, I pray that God will give us revelation. Et pendant que nous le ferons, je prie que Dieu nous donne la révélation. So that our prayers can be focused. Pour que nos prières puissent être focalisées. Now I want to begin from that chapter 12. Luke 12. Je vais commencer dans le passage de Luc chapitre 12. Before we now go to look at things we could glean from the strategy of Samson. Avant d'aller maintenant voir ce qu'on peut en tirer des stratégies de Samson. I came to set fire on the earth. 49. I came to set fire on the earth. Je suis venu jeter un feu sur la terre. And I would that it were already kindled. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? I want you to see two things quickly there. Voyez deux choses rapidement là-bas. I came to set fire on the earth. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Does that show deliberateness? Est-ce que cela montre que hein? Il fait cela consciemment? Does that talk délibérée? About purpose, purposefulness? Est-ce que ça montre hein? Qu'il a un objectif? You are not getting me. Does that speak about purposefulness? Ça montre l'objectivité. Deliberateness. Il fait cela délibérément. Intendedness. Il fait cela intentionnellement. That it was done intentionally. Et qu'il a fait cela intentionnellement. How did you get that in that scripture? Comment est-ce qu'on voit tout cela dans ce passage? How did you get it? What comment gave you that understanding? Cela? I came. Je suis venu. He said, what did you come to do? Qu'es-tu venu faire? I came. Je suis venu. To set fire on the earth. Jeter le feu, allumer le feu sur la terre. Why did you come? Pourquoi es-tu venu? I came. Je suis venu. To set fire. Allumer le feu. On the earth. Sur la terre. So, may I say to you, when we are talking about fire, the fire of revival, the fire that will burn things down, the fire that will divide, I want you to know that it is an intentional purpose of God. Dans le feu qui vient pour diviser, qui va brûler, qui vient accomplir le but de Dieu, c'est un feu avec l'intention de Dieu. It is not a wishful thinking, brothers. Ce n'est pas un souhait, ce n'est pas une pensée, un souhait, non. It is not a pet project of somebody. Ce n'est pas un projet de quelqu'un. And it is not a facade. Et ce n'est non plus une façade. It is not something that we... That some people just like to be talking about. Ce n'est pas simplement quelque chose que les gens aiment parler. It is something that it's God's intention. C'est quelque chose qui est l'intention de Dieu. There is a divine plan that Jesus deliberately came for. Il y a un plan divin pour lequel Jésus est consciemment venu. It is to set fire on the earth. Et c'est pour allumer, jeter le feu sur la terre. It is to kindle a fire on the face of the earth. C'était pour allumer un feu sur la surface de la terre. So may I say to you? Alors est-ce que je peux vous dire? Whatever the effect of this will be. Que peu importe l'effet de ce que cela pourra avoir. It's a divine intention. C'est une intention divine. So if you are involved in what we are talking about. Alors si tu es mêlé à ce que nous sommes en train de dire. You are not involved in a wrong thing. Tu n'es pas mêlé à une mauvaise chose. And may I say to you, brothers and sisters. Alors est-ce que je peux vous dire, frères et sœurs? Don't accept guilt.
n'accepte pas la culpabilité. For the kind of thing that revival will bring. Pour le genre de choses que le réveil va apporter. Alléluia. Never you be intimidated with the spirit of guilt. Ne soyez jamais intimidé par l'esprit de culpabilité. As if we are causing confusion. Comme si nous sommes en train de causer la confusion. As if we are breaking things up. Comme si nous sommes en train de briser des choses. As if we are setting people at loggerhead with themselves. Comme si on est en train d'apporter des conflits entre des personnes. As if we are creating disaffection in the heart of people for something. On est en train de créer le manque d'amour entre les personnes. I want you to know that the gospel. Je veux que vous sachiez que l'évangile is a force. Est une force. That comes to change the status quo on the earth. Qui vient changer le statut des choses. The gospel, l'évangile, when it comes, quand elle vient, it comes to change things. Elle vient changer, apporter un changement. So when you read in the Acts of Apostles, alors quand vous lisez dans les Actes des Apôtres, I hope you know that things have been going normally. Je sais que vous savez que les choses allaient normalement. People have been doing their services the way les they do it. Les gens faisaient les cultes comme ils aimeraient faire. Synagogue services have been going on for les years. Les synagogues. People have been preaching the way they like to preach. Les gens prêchaient comme ils voulaient. Do you understand that? Est-ce que vous comprenez? There were systems in their days. Des systèmes en leur jour. Are you getting me? Vous comprenez? There were systems. Il y avait des systèmes. As they will continue to be systems. Il y aura toujours des systèmes. There were denominational structures. Il y avait des structures denominationnelles. That nobody can touch. Que personne ne pouvait toucher. There was a way things were done. Il y avait une façon qu'on faisait that les choses. That nobody dared to affect. Que personne ne pouvait essayer de if toucher. If anybody does anything si different, quelqu'un fait quelque chose de différent, they were going to cast him out of the synagogue. On va jeter cette personne hors de la synagogue. You remember some people were cast out of the synagogue. Vous comprenez qu'il y a certaines personnes because they did not conform to the standards. Parce qu'ils ne sont pas conformés au statut de la synagogue. But Jesus said. Mais Jésus a dit. I came. Je suis venu. Deliberately. Délibérément. To set the earth on fire. Allumer, jeter le feu sur la terre. I came. Je suis venu. To bring fire. Pour apporter le feu. He said, "Do you think I came to bring peace?" Pensez-vous que je suis venu apporter la paix? Strange. Jesus said, "Do you think I came to bring peace?" Pensez-vous que je suis venu apporter la paix? Suppose you that I'm come to give peace on earth. Pensez-vous que je suis venu apporter la paix sur la terre? Do you think I came to support the world system? Est-ce que je suis venu supporter le système du monde? Do you think I only came to decorate and paint the world system? Penses-tu que je suis venu décorer le système du monde et mettre la peinture? Do you suppose that I came to give peace on the earth? Supposes-tu que je suis venu apporter la paix sur la terre? Were you thinking I have come so that the things can continue the way it should, it used to be? Penses-tu que je suis venu pour que les choses continuent telles qu'elles sont? Do you see the answer he himself answered? Est-ce que la réponse était répondue? He said, I tell you. Il dit, je vous dis. Non. Non. But what? Mais quoi? You are not reading again. You don't like. You don't like. Verset 51. Some of you say, You don't. Because all the message you know, all the one you have read before is that say, oh Jesus. Tous les passages que vous lisez souvent disent Jésus. Prince of peace. Roi de paix. That comes gentle Jesus. Nous, Jésus. Gentle Jesus. Nous, Jésus. Gentle Jesus. Gentle Jesus. Gentle Jesus. You know, when we misunderstood our master. Quand on a mal compris notre maître. When we misunderstood his purpose. Quand on ne comprend pas assez son but. When we have been persuaded to misunderstand his principle. Quand nous sommes persuadés qu'on a mal compris ses principes. The church lost something that is critical in every revival. L'église a perdu quelque chose qui est critique dans tout ce qui concerne le réveil. Violence. La violence. But you see, there is nowhere there is fire without violence. Mais il n'y a pas où on voit du feu sans la violence. Actually, fire is violence. En effet, le feu est égal à la violence. I don't know whether you understand. Je ne sais pas si vous comprenez. If there is fire here now, s'il y a du feu ici maintenant, what do you think will happen? Qu'est-ce qui va se passer selon vous? There will be violence. Il y aura la violence. Oh my God, you don't understand.
I know you will not like to push me. Je sais que vous ne voulez pas me pousser. But when there is fire here, mais quand il y a le feu somebody ici, is sitting down there. Quelqu'un est assis là. What will you do? Qu'est-ce que tu vas faire? You can't get out of the way. Tu vas fire, pousser fire. Cette personne, feu, what le has feu. Made you to become violent? Qu'est-ce qui t'a amené à être violent? Fire brings violence. Le feu apporte la violence. There is nowhere there is fire and there is no violence. Il n'y a pas où il y a du feu sans la violence. And you've got to catch violence. Et vous devez attraper cette violence. But the kind of violence we are talking about, mais le genre de violence que nous sommes en train de parler ici, is the violence in the spirit, est la violence dans l'esprit, that causes status quo to change, la violence qui amène le système des choses à changer, that melts stones and breaks rocks, qui fait fondre les pierres et brise les rochers. Hallelujah. So I didn't come to bring peace. Je ne suis pas venu apporter la paix. I've not come here to support the world system. Je ne suis pas venu ici pour supporter le système du monde. As you see this thing going on like this, quand vous voyez cette chose en train de se passer ainsi, when my fire is kindled, quand mon feu sera allumé, a family of five that have been eating together, une famille de cinq personnes qui mangeaient ensemble, you see, what is he talking about? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? There was an agreement. Il y avait un accord. Between the five of them. Entre les cinq. Agreement in hypocrisy. L'accord dans l'hypocrisie. Agreement in backsliding. L'accord dans la rétrogression. Are you getting me? Agreement in loose living. L'accord dans la vie vide. Agreement in disobedience to God's word. L'accord à la désobéissance à la parole de Dieu. Agreement in doing whatever is convenient. L'accord à faire tout ce qui plaît. Everybody is moving together. Tout le monde marche ensemble. Because they have all agreed to be lukewarm. Parce qu'ils ont tous décidé d'être tièdes. Are you getting what I'm saying? A church can go on for 30, 50 years. Une église peut continuer pendant 30 à 50 années. As long as we are doing what is convenient for everybody. Aussi longtemps qu'on fait tout ce qui arrange tout le monde. There's no problem. Il n'y a aucun problème. An elder may embezzle money. Un ancien peut dérober de l'argent. Someone may sleep with another person's wife. Un autre peut coucher avec la femme d'une autre personne. Someone may marry two wives. Une personne peut épouser deux femmes. As long as we have agreed not to disagree. Aussi longtemps qu'on est en accord pour ne pas être en désaccord. You can have a congregation like that. Vous pouvez avoir une grande congrégation comme ça. Are we together? And there was a synagogue in the days of et Jesus. Dans les jours, au jour de Jésus, il y avait une synagogue. Where all things were going on normal. Tout se passait normalement. In fact, when Jesus did something that was strange. En effet, quand Jésus-Christ a fait quelque chose d'étrange. They came and asked him. On est venu lui demander. Why are you doing this kind of? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Hein? By what authority are you doing par this? Par quelle autorité le fais-tu? They were so bold to confront him. Ils étaient tellement courageux à le confronter. People that are doing wrong things. Les gens qui font des mauvaises choses. As soon as they see Jesus. Dès qu'ils voient Jésus. Coming to do what the Bible actually said. Venir faire ce que la Bible demande. They said, ils se sont enlevés. By what authority are par you? Par quelle autorité le fais-tu? Who gave you right to do that? Qui t'a donné le droit de le faire? What are you trying to disturb here? Qu'est-ce que tu essaies de déranger? No. We don't need you here. Non, on n'a pas besoin de toi. You know they did that. Vous savez qu'on a fait ça? So let me tell you. Alors que je vous dise. Let me tell you. Que je vous dise. Every time God moves, chaque fois que Dieu agit, something must be moved. Quelque chose doit être enlevé. Every time God moves, chaque fois que Dieu se déplace, things that appear immovable, they are moved. Les choses qui ont l'air de ne pas bouger sont déplacées. Even people that thought they would be immovable, they are moved. Même les gens qui ont pensé qu'ils ne pourront jamais être enlevés sont enlevés. And you see something breaking forth. Et vous voyez quelque chose en train de se briser. But I want you to get few words before I go away. Mais comprenez quelques mots avant d'avancer. I don't intend for us to stay too long, but I wish we catch something so we can pray. Je n'ai pas l'intention pour nous de rester pendant longtemps, mais je veux qu'on puisse saisir quelque chose. Because we do need to discover what we are rising from this meeting to do. Il faut qu'on puisse découvrir ce qu'on doit faire après cette réunion. Hallelujah. I hope you remember. J'espère que vous vous souvenez. When he said. Que quand il a dit. Were you thinking I brought peace? Pensez-vous que je suis venu apporter la paix? I tell you no. Je vous le dis non. But rather division. Mais la division. For from henceforth. Car désormais,
What does that mean? Qu'est-ce que cela veut dire? Who can interpret? Qui peut nous interpréter? Who can interpret what that means? Qui peut interpréter ce que cela veut dire? He said, for from henceforth. Il dit car désormais. From now onward. Donc vous dites à partir de maintenant. Did you see that now? From henceforth. Désormais. From now onward. À partir de maintenant. This will be the characteristic of my operation. Voici ce qui sera le caractéristique de mon opération. This will be the manifestation of my operation. Ceci sera la manifestation de mon opération. This is the kind of thing you will keep seeing. Voici le genre de choses que vous continuerez à voir. From now on. À partir de maintenant. Now, may I say to you? Donc que je vous dise. To do something different. Faire quelque chose de différent. Is to stop the work of God. C'est d'empêcher l'œuvre de Dieu. To wish that it is different. Souhaiter que ce soit différent. Is to walk contrary to the spirit of Jesus. Est de marcher contrairement à l'esprit de Jésus. Oh my God, am I communicating with Est-ce you? Est-ce que je communique? To think we can achieve the work of God differently. Penser qu'on peut accomplir l'œuvre de Dieu autrement. Is to neglect the spirit of the work itself. C'est de négliger l'esprit de l'œuvre elle-même. To be having conferences where we are thinking of how everything will be happening without violence, without division, without fire, is to be walking contrary to the spirit of the work of God. Avoir des conférences pour voir comment les choses vont se passer sans violence, sans feu, c'est marcher contrairement à l'esprit de Dieu. Do you get me? Yeah, yes, eh? Yes, oh, am I miss? You are not. You do. This is a strange thing today. You say, ça, c'est une chose étrange aujourd'hui. Vous ne comprenez pas du tout. Eh? Did you get something, Stachola? Yeah. You got it? Say, from now on. Il y a parti de maintenant. This is what you will start seeing. Voici ce que vous verrez. This is how it will begin to happen. Voilà comment les choses vont se produire. And since he said from now henceforth. Et comme il a dit à partir de maintenant désormais. I didn't see the end. To the word henceforth. Quand on dit désormais, je ne vois pas la fin de cela. Or did you see the end there? Avez-vous vu la fin? Eh? Did you see the word until? Est-ce que vous avez vu le mot jusqu'à ce que? Eh? If there was an until, that si means. Il y avait le un jusqu'à ce que. There was a point at which it stops. Dans certain point, ça va s'arrêter. Dans certain niveau, ça s'arrêtera. So can I say to you, brothers and sisters? Alors est-ce que je peux vous dire, frères et sœurs? That one of the things that you will see in Samson. Que l'une des choses que tu verras en Samson. That made Samson to hold the Philistines to ransom. Qui a amené Samson à tenir les Philistines captifs. Was something in him. C'était quelque chose en lui. That will not negotiate with the Philistines. Qui ne veut pas du tout négocier avec les Philistines. There was something inside of Samson. Il y avait quelque chose en Samson. That no matter what the Philistines were trying to bribe him. Peu importe ce que les Philistins essayaient d'utiliser pour le corrompre. Something in him said no. Quelque chose en lui disait non. I came to set fire on the Philistines. Je suis venu ici enflammer les Philistins. Every opportunity he had. Toute opportunité qu'il avait. That was his purpose. C'était son objectif. Praise the Lord. Alléluia. Now, why is it that this is going to be the character of the work of God? Alors pourquoi est-ce que maintenant ceci sera le caractère de l'œuvre de Dieu? It's because the whole world lies under the power of darkness. C'est parce que le monde entier se repose sur la puissance des ténèbres. It's because leave the world on its own, it will gravitate to Satan. If tu laisses le monde, tu abandonnes le monde va monter et retrouver Satan. Leave any good denomination. Laisse toute bonne dénomination. Very good denomination. Une très bonne dénomination. Started very well. Qui a bien commencé. Leave it untended for 10 years. Laisse cette dénomination sans s'occuper de cela pendant 10 ans. It will not become more spiritual. Elle ne deviendra pas plus spirituelle. How is it going to become? Comment est-ce qu'elle va devenir? It's going to become more worldly. Elle va devenir plus mondaine. It's the principle. Le principe. A revival that begins. Un réveil qui commence. In the power of the Holy Spirit. Par la puissance du Saint-Esprit. Leave it for 20 years. Laisse le réveil pendant 20 années. Without the spirit of violence at work. Sans que l'esprit de violence ne soit en œuvre. What is it going to become? Qu'est-ce que cela va devenir? Talk to me. What is it going to become?
is going to gravitate to the earth. Ça va se rabaisser au monde. The earth. Le monde is a gravity. Est une gravité. That seeks to pull down. Qui a l'air d'attirer ce comme un aimant. Everything to his own level. C'est comme un aimant qui essaie d'attirer tout à son niveau. Are you getting me? Whatever it is. Peu importe ce que c'est. If you start anything in the spirit. Si tu commences quelque chose dans l'esprit. If you don't keep firing it. Si tu ne continues pas à allumer le feu. And keep pushing it in the violence of the Holy Ghost. Pousser cela par la violence du Saint-Esprit. What is it going to become? Qu'est-ce que ça va devenir? It's going to go back to the flesh. Ça va repartir à la chair. Are you getting me? So as far as Jesus is concerned. En ce qui concerne Jésus. The only way to keep the purpose of God aflame and alive. Le seul moyen de garder le but de Dieu enflammé et vivant. Is to keep fire there. C'est de laisser le feu. So friends. Alors amis. Crying for revival. Pleurer pour le réveil. Asking God for fire. Demander à Dieu le feu. Is the way of the Spirit of God. C'est la façon de l'Esprit de Dieu. Praise the Lord. If sometimes I go to some Pentecostal churches. Parfois je vais dans certaines églises pentecôtistes. They are singing. On chante. They are dancing. Ils dansent. They are doing everything. Ils font tout. But they have left the truth. Mais ils ont laissé la vérité. They are actually doing what is convenient for the flesh. Ils sont en train de faire ce qui arrange leur chair. Are you hearing me? If anybody comes on the pulpit. Si quelqu'un vient sur la chair. And he strikes again with the power of the word of God. Et vient avec la puissance de let me tell you what will happen. Vous dis ce qui va se passer. Two things will happen. Deux choses vont se passer. The leaders of that congregation they will come up. Les dirigeants de cette église vont se lever. They say, by what authority are you saying this? Et dit, par quelle autorité? Why do you want cela? To cause confusion pourquoi here? Veux-tu apporter la confusion we are also ici? Men of the spirit nous here. Nous sommes les hommes de l'esprit. What are you doing here? Qu'est-ce que tu fais ici? It's normal. C'est normal. It's normal. C'est normal. But if God does not do that, mais si Dieu ne fait pas cela, that church will die off. Cette église va mourir. So you see, again and again, alors une fois de plus, he will set fire. Il va allumer son feu. Sometimes it will be the young people. Parfois ça sera des jeunes. That have caught this violent fire. Qui vont attraper ce feu de violence. And there will be persecution. Et il y aura la persécution. And sometimes they want to send them out. Et parfois veulent les mettre hors de l'église. And when they become so overwhelmed. Et quand ils commencent à être submergés. Some of them say, let us not send them out. Certains vont dire non. Let's listen to them. Ne les faisons pas sortir. Écoutons-les quand même. And so there may be revival. Alors peut-être qu'il y aura le réveil. Then they may bring new things. Alors ils vont apporter des nouvelles choses. Do you understand what I'm talking? Vous comprenez ce que je dis? So the first issue. La première chose ici donc. Is for you to know that this is the way of the Spirit of God. Est pour vous de savoir que voici la façon, le chemin de Dieu. This is how God walk anytime, anywhere, in any generation has been done. Que l'œuvre de Dieu partout, à tout moment et dans toutes les générations a été faite. Wherever the kingdom of God was established. Où le royaume de Dieu est établi. And wherever it advanced. Et où le royaume de Dieu avance. And wherever it is fervent. Et où c'est fervent. And wherever it has become effective. Et partout c'est devenu efficace. It has always been by violence. Ça a toujours été par la violence. So looking for men to put on fire. Alors regarder des hommes sur qui on va allumer du feu. Is a critical need in every generation. Est un besoin critique pour toute génération. Hallelujah. So my first prayer. Alors ma première prière. Is that we will not. Est que. Do our hand like this. Nous ne croiserons pas les bras. And only be lamenting. Et se mettre à se lamenter. How things are decaying. Comment les choses sont en train de se dégrader. How things are changing. Comment les choses changent. Intelligent people didn't do that in their own time. Les gens intelligents n'ont pas fait cela à leur temps. Because what is happening is what normally happens. Parce que ce qui se passe est ce qui se passe souvent normalement. Are we together? Nous sommes ensemble. But when they stood up. Mais quand ils se sont levés. With a different fire. Avec un autre feu. Fire that comes with violence. Le feu qui vient avec la violence.
Things moved. Les choses ont avancé. I want to tell you. Je veux vous dire. All revivals that you ever talked about. Tous les réveils dont vous avez eu à parler. All of you should think now. Réfléchissez maintenant. Think of any of the revivals that you have read about. Pense à un réveil que tu as eu à lire. Which one of it happened without violence? Quel parmi ces réveils s'est produit sans la violence? Did John Wesley revival happen without violence? Le réveil de John Wesley, ça s'est produit avec la violence ou sans violence? It was a terrible division. C'était une division terrible. Families were divided. Les familles étaient divisées. Because God's work must move. Parce que l'œuvre de Dieu doit avancer. And if God's work must move, et si l'œuvre de Dieu doit avancer, a force must move it. Il faut qu'une force fasse avancer cela. A force that overcomes the status quo. Une force qui va dépasser les statuts. That confronts the power of darkness and say, enough is enough. Les puissances des ténèbres disent assez, ça n'est assez. My prayer is ma that God prière est que Dieu will find such fire carriers. Trouve des personnes pour porter ces feux. Who don't mind even if they perish? Qui ne se préoccupe pas de leur vie, même s'ils doivent mourir. Doing the right thing. Pour faire la bonne chose. Pursuing the kingdom of God. Pour suivre le royaume de Dieu. May you find it. Such people cela, among us in the name of Jesus. Telles personnes parmi nous au nom de Jésus. As far as Jesus was concerned, en ce qui concerne Jésus, the passage we have read, le passage que nous avons lu, before I move to the next verse, because the next verse is important, au verset suivant, that next verse is very critical verse. Ce verset est très critique. And I thank God for Jesus. Et je remercie Dieu pour Jésus. Say, I am come to send fire on the earth. Je suis venu pour allumer le feu. On the earth. Sur la terre. Not just in Jerusalem. Pas à Jérusalem. Where is the earth? La terre c'est où? Eh? The earth. La terre c'est partout. So if it's happening in UK. Ainsi ça se produit en Angleterre. It will be happening in Italy. Ça se produit aussi en Italie. It will go to Indonesia. Et ça ira en Indonésie. It will go to Haiti. Ça ira en Haïti. And ravage the Caribbean. Et ça va ravager les Caraïbes. It will go to America. Ça ira aux États-Unis. It will go to the south of America. Ça ira en Amérique du Sud. It will go to Africa. Ça viendra en Afrique. It will move to Asia. Et ça ira en Asie. Why? Pourquoi? On the earth. Sur la terre. Let's talk about this. Parlons de cela. I came. Je suis venu. To set fire. Pour allumer le feu. On the earth. Sur la terre. On the earth. Sur la terre. The scope of God's desire is the earth. L'étendue du désir de Dieu, c'est la terre, toute la terre. The entire earth. C'est toute la terre. On fire. Allumée. That's what I have come to do. C'est ce que je suis venu faire. That's my purpose. Ça c'est mon objectif. So brothers and sisters. Alors mes frères et mes sœurs. We are entering into a labor with God. Nous sommes en train d'entrer dans un travail avec Dieu. For a fire. Pour avoir un feu. On the earth. Un feu sur la terre. Global. C'est quelque chose de global. How many of you are believing that we're talking about a global movement? Combien d'entre vous croyez que nous parlons d'un mouvement global? Global. Quelque chose de global. It will hit Switzerland. Ça va frapper la Suisse. It will reach the francophone countries. Ça va atteindre les pays francophones. It will go and crack and crack and crack things inside the basilica. Ça ira briser les choses dans la basilique. Those places have been at peace for too long. Ces endroits sont restés dans la paix pendant longtemps. Are you getting me? Vous comprenez? It will go to the Canterbury. Ça. It's going to cause crack there. Ça va apporter une fissure là-bas.
I don't see some of those systems standing, they will crack. Je ne vois pas ces systèmes rester debout, ça va se briser. There will be a voice inside. Il y aura une voix à l'intérieur. That say, this is enough. Qui dit ceci, ça n'est assez. We cannot go on with this. On ne peut plus continuer avec cela. There must be a change. Il faut qu'il y ait un changement. A family of five. Une famille de cinq personnes. Three against two. Deux contre trois. I don't know whether the three will be the majority for Satan or two for Jesus. Si les but that's trois no problem. La majorité pour Satan et les deux pour Jésus. That's no problem. Ce n'est pas de problème. And he said from now on. Il dit à partir de maintenant. That's how it will be. C'est comme ça que ça sera. So may I say to you the revival I'm expecting for is violent. Quand je vous dis que le réveil que j'attends est un réveil violent. It's not about going with guns and grenades and pas avoir les fusils, and les grenades. The suicide bombers, no. Something, thank you. She's doing very well. She's doing very well. We are talking about something inside. Nous parlons de quelque chose de l'intérieur. That will tear the heart of men. Quelque chose qui va déchirer le cœur des hommes. That will reposition focus of men. Qui va repositionner la. That will reset the direction of things. Qui va refixer la direction des choses. Brothers and sisters. Les frères et les sœurs. I want you to believe this. Je veux que vous puissiez croire à ceci. I don't want you to think that can it happen? It will in your lifetime. Je veux que vous puissiez penser que est-ce que ça va se produire? Oui, ça va se produire durant my lifetime. C'est quand je serai vivante que ça se produit. By the grace of God. Par la grâce de Dieu. And I perceive that you are part of it. Et je perçois que vous faites partie de cela. You are part of what vous we are talking about. Vous faites partie de ce que nous sommes en train de dire. God is going to show you his glory. Dieu va vous montrer sa gloire. Now he said, how I wish it was kindled already. Il dit comme j'aurais souhaité que ce soit déjà allumé. But I have a baptism to be baptized. Mais j'ai un baptême que je dois donner. And how I am straightened till it be accomplished. Et comme je souhaite que cela soit accompli. Mama. Did you understand the Bible there? Vous comprenez ce que la Bible dit là? Oh God, how can I put that now? Jesus is saying. Jésus dit. I came to set fire on the earth. Je suis venu jeter le feu sur la terre. I wish it had been kindled long ago. J'aurais bien souhaité que ce soit allumé il y a très longtemps. But I am straightened. Mais je suis arrêté. I'm constrained. Je suis contraint. I couldn't do it. Je ne pouvais pas le faire. Because there's a baptism, I must be baptized. Parce qu'il y a un baptême par lequel je dois être baptisé. Once that baptism is done, une fois que ce baptême a eu lieu, no restraint again. Il n'y a plus aucune constraint. Parabashandarabasi. Has that baptism taken place? Est-ce que ce baptême a eu lieu? The only thing that didn't allow him to release the fire. La that seule time, chose qui l'empêchait de relâcher le feu en ce temps-là. Was that he needed to go to the cross. Était qu'il devait aller à la croix. He needed to pay the price. Il avait besoin de payer le prix. He needed to break the power of darkness. Il avait besoin de briser la puissance des ténèbres. He needed to collect the authority from the kingdom of darkness. Il avait besoin de prendre l'autorité de la puissance des ténèbres. He needed that by death. Il avait besoin que par la mort. He would destroy him that had the power of death. Il puisse détruire celui qui avait la puissance de la mort. And set us free. Et nous libérer. Those of us that were in bondage to the spirit of Satan. Dans l'esclavage par l'esprit de Satan. He said, that's the only constraint I have had. Il c'était la seule contrainte que j'avais. Ah, until it has happened, I couldn't do what I wanted to do. Tant que cela ne s'était pas produit, je ne pouvais pas faire ce que je voulais. May I say to you? Alors que je vous dise. When he went to the cross. Quand il est allé à la croix. When he drank that cup. Quand il a bu de cette coupe. When he took our old nature to Calvary. Quand il a pris notre ancienne nature au calvaire. When he became the scapegoat for all the sins of the whole world. Quand il est devenu la bête qui a porté tout le péché du monde. When he paid the price for our deliverance. Quand il a payé le prix pour notre délivrance. When he settled all. When he settled all that it was needed. For the man to be delivered. Quand il a réglé tout ce qui devait être réglé pour que l'homme soit délivré.
When he was crucified. Quand il était crucifié. When his blood flowed. Quand son sang a coulé. When he was lifted. Quand il était élevé sur la croix. The constraint. La contrainte. Was removed. Était enlevée. He has authority as I'm talking to you je now. Je vous parle présentement, il a l'autorité. To set the earth on fire. De jeter, d'allumer le feu sur la terre. He has the authority now. Il a l'autorité maintenant. To demand for a change in the system of the world. De demander qu'il y ait un changement dans le système du monde. He has the authority and the base and everything it takes. And when he said, "Go into all the world and make disciples of all nations," he is not saying something strange. He has authority for that. Il a l'autorité, il a la base. Quand il dit, "Allez faire des disciples de toutes les nations," il a la base. Il a ce sur quoi se baser. Are you with me? Est-ce que vous êtes avec moi? Are you understanding the word of God? Vous comprenez la parole de Dieu? Eh? Yes. Now this. Écoutez. I said I couldn't follow Samson. J'ai dit que je ne pouvais pas suivre Samson. You know why for Samson? Vous savez pourquoi? He also needed authority to set the Philistines on fire. Il avait aussi besoin d'autorité pour enflammer les Philistins. He said, "I will not be blameless if I do the Philistines a displeasure." Et je ne serai pas accusé si je fais une faveur aux Philistins. And what was his own authority for that? Et quelle était l'autorité qu'il portait? He paid for a wife. Il a payé la dot d'une femme. He paid for a wife. Il a payé. And instead of giving him his wife, et au lieu qu'on lui remette sa they femme, gave it to someone else. On a pris sa femme, on a remis. Does he have a reason to be annoyed? Avait-il une raison de se Does he have a reason to set their fields on fire? Avait-il une raison de brûler tout leur champ? And so when he did it, I'm not blameless. Alors quand il a dit si je fais cela, je ne serai Because pas coupable. I paid a price. J'ai payé un prix. And you are not giving me what et I paid for. Et vous ne me remettez for. Pas ce pourquoi j'ai payé. But I said. I don't want to follow Samson. Mais j'ai dit, je ne veux pas suivre because Samson. There are so many other foolish things about him. Parce qu'il y a beaucoup de d'autres choses. But now de I have seen Jesus. Mais j'ai vu maintenant Jésus. I've seen a greater than Samson j'ai here. J'ai vu quelqu'un qui est plus grand que Samson. Who will not set fire? Qui ne va pas allumer le feu? Until he has paid the price. Jusqu'à ce qu'il paye son prix. He will not set fire. Il ne va pas allumer le feu. Until he had been baptized with that baptism. Jusqu'à ce qu'il soit baptisé par ce baptême. Do you know it is in that baptism? Est-ce que vous savez que c'est dans ce baptême? That the price for each one of us was paid. Que le prix de tout un chacun de nous avait été payé. Do you know that it is in that baptism? Vous savez que c'est dans ce baptême? That the price for every human soul on earth was paid. Que le prix pour toute âme vivante sur la terre a été payé. Do you know that the man walking on the street? Est-ce que vous savez que l'homme qui marche dans la rue? Even if he didn't want to hear the gospel. Même s'il ne veut pas entendre l'évangile. Do you know that a price was already paid on his head? Est-ce que vous savez qu'un prix a été payé sur sa tête? Do you know that Satan has no right to continue to use him? Vous savez que Satan n'a aucun droit de continuer à l'utiliser? You are not hearing me at all. Vous ne comprenez pas? Do you know that Satan has no right to be driving all the young people that the way he was driving them? Est-ce que vous savez que Satan n'a pas le droit d'utiliser les Do you know that there's a price paid on all of them? Il y a un prix qui est payé sur toutes Do you know that by that death, by that baptism? Et que par la mort, par ce baptême. Every restraint. Toute contrainte. To collect those that were supposed to be the bride of Jesus had been removed. Qui doit être l'époux so de if we set enlevé. If we set this generation on fire, alors, are we going to be blameless? Si nous allumons le feu dans cette génération, aurons-nous tort? This morning, ce matin, we are going to say to God, on va dire à Dieu, release that fire. Il faut relâcher ce feu. That will make you to feel an indignation.
qui va t'amener à sentir une indignation. Everywhere you see Satan using anybody. Partout où tu vois Satan utiliser quelqu'un. Anywhere you see misbehavior taking place. Partout où tu vois un mauvais comportement. Anywhere you see them gathering and it is the kingdom of darkness partout that is ruling them. Partout où tu vois se rassembler et c'est le royaume de ténèbres qui les contrôle. Why should you pay for a wife? Pourquoi dois-tu payer la dot d'une femme? And when it is time for the wife to be given to you. Et quand il est temps pour que la femme te soit donnée, you are giving to someone. On remet cette femme à une autre and the person personne. Is moving up and down as if et it was correct. Se balade comme si c'est une chose I'm asking you, is it right? Je demande, est-ce so correct? I'm asking, why should Jesus alors, pay the price? Pourquoi est-ce que Jésus doit-il payer le prix? For the souls of men. Pour les âmes, pour l'âme des and hommes. The devil is using them as if no price was paid on et them. Le diable les utilise comme si personne n'a payé le are prix. Are we going to be blameless if we set that field on fire? Est-ce que nous serons coupables si nous embrasons ce if we became violent with the gospel, are we doing something wrong? Si on est violent avec l'évangile, faisant quelque chose de mal? If we push all the walls and say stop that thing, are we doing something wrong? Nous poussons le monde entier disant arrêtez cela, est-ce que c'est une mauvaise chose que nous faisons? They told the people, they say, why are you preaching in this name? On a dit aux gens, pourquoi est-ce que vous prêchez en ce nom? Do you know that Peter simply stood up? Pierre s'est simplement levé. He said, you. A dit vous. You. You. Look at Peter. Regardez Pierre. He's talking to priests, high priests. À un sacrificateur, au grand type, au grand rulers of the synagogue. Ceux qui règnent sur la synagogue. They have been ruling for 1,000 years. Ils règnent pendant des milliers d'années. A young man that has never even gone to Bible school. Un jeune homme qui n'est jamais allé à l'école biblique. Apart from the school of Jesus. Hormis l'école de Jésus. He stood up in their midst. Se lève au milieu d'eux. He said, you, builders. You call yourself builders. Vous appelez des bâtisseurs. The stone that you builders have rejected. La pierre que vous les bâtisseurs avez rejetée. God has made him the chief cornerstone. And if you are asking me, si vous me demandez, look at a barbarian. If you are asking me, si vous me demandez, by what authority did we preach? And this man is standing before you. He said, be it known to you. Sachez-le. Be it known to you. Sachez-le. That there is no other name under heaven by which men shall be saved except the name of Jesus. They told them, keep quiet. He said, we cannot keep quiet. We cannot keep quiet. Excuse me, what is that? What is that? That is fire. That is violence. That was what God brought 5,000 in one day, 3,000 in one day. That was why anywhere they went, they said, they have come, those who turned the world upside down. That was their testimony. Revival turns the world upside down. Le monde it turns l'envers. Families upside down. Ça tourne les familles en l'envers. There is no need for people to be at peace. Il n'y a pas de besoin que les hommes soient dans la paix. When they have conspired against Jesus. Quand ils sont en train de conspirer contre Jésus. There is no need for a congregation to be at peace. Il n'y a pas de besoin qu'une église soit dans la paix. When the Lord of the church is outside quand the le church. Quand le Seigneur de l'église est hors de l'église. There was no need for any group of people to be at peace. Il n'y a pas de besoin qu'un groupe de personnes soit dans la paix. When the original owner of the bride la personne qui has been put aside and someone who did not pay a price quelqu'un qui n'a pas payé du tout is using the woman as a light. La femme comme son it droit. Is immoral. C'est immoral. It is not correct. C'est pas correct. And it must change. Ça doit changer. Must it change? Est-ce que ça doit that's changer? It. That's it. C'est ça. It was that spirit c'est cet esprit-là that they caught. Ils ont eu. That made them to turn the whole Asia à tourner tout l'Asie upside down en l'envers in 3 years. En 3 ans. We are going to pray now. On va prier maintenant. Father, Père, release the fire. Il faut relâcher le feu. It's correct for us to carry fire. C'est correct pour nous de porter le feu. It's correct for something to
Nothing more to rest inside my spirit. Que rien d'autre ne reste dans mon esprit. That when I see men for whom Jesus paid a price. Que quand je verrai des hommes pour qui Jésus a payé le prix. They are now being tied down by the devil. Ils sont maintenant attachés par le diable. They are now being used anyhow. Ils sont utilisés n'importe comment. They are now serving the purpose of him who only came to cheat them. Ils sont en train de servir le but pour celui and qui you est venu we should be polite. Et tu te demandes qu'on soit what poli. Kind of politeness quel is genre that? De politesse est cela? What kind of understanding are you talking quel about? Quel genre de compréhension parlez-vous donc? The kingdom of God. Le royaume de Dieu. Does not suffer power. Ne souffre pas de puissance. There is power. Il y a la puissance. It does not suffer authority. Ça ne manque pas d'autorité. There is authority. Il y a cette autorité. The only thing it suffers. La seule chose dont elle souffre. It suffers violence. Elle souffre de la violence. Manque de violence. Now listen. Maintenant écoutez. Listen. Écoutez. Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Sommes-nous ensemble? Now, Jesus. Jésus. As our brother began to lead us this morning. Quand notre frère a commencé à nous conduire ce matin. What caught my heart? Ce qui a saisi mon cœur. Was the way the word of God came again. Et la façon que la parole de Dieu est venue. He said the harvest. The harvest. La moisson. So let me ask you. Que je demande donc. Can you talk of harvest? Pouvez-vous parler de la moisson? Where you have not planted. Quand vous n'avez pas semé. Eh? So why did he call the world harvest? Pourquoi est-ce qu'il appelle le monde de moisson? Who knows why he called them harvest? Qui sait pourquoi il appelle le monde la moisson? Because he has already planted. Parce qu'il a déjà semé. He has already sown a seed. Il a semé une semence. Everybody you see on the street. Toute personne que vous voyez dans la rue. All the young people in the UK. Toutes les jeunes personnes que vous voyez en Angleterre. He calls them what? Il les appelle harvest. La moisson. Harvest. La moisson. Harvest. C'est la moisson. They are harvest. Ils sont des moissons. Why are they harvest? Pourquoi est-ce qu'ils sont la moisson? Because he planted. C'est parce qu'il a planté. Many times some of you don't understand biblical things. Vous ne comprenez pas des choses bibliques. And because we don't understand biblical principles. Et parce qu'on ne comprend pas des principes bibliques. We try to operate with worldly wisdom. Nous essayons d'opérer avec la sagesse mondaine. May I say to you this morning. Je vous dis ce matin. Every soul you meet. Toute femme que vous rencontrez. What is the second name? Son deuxième nom c'est quoi? Harvest. C'est une moisson. Is harvest. C'est la moisson. Harvest. La moisson. He may be drinking. Il peut être en train de boire. He may be smoking. Il peut être en train de fumer. Don't mind that. Il ne faut pas regarder what cela. Is he? Il est quoi? He's waiting for harvest. Il attend à être moissonné. He's waiting for harvest. Il attend à être moissonné. All the sex workers. All those women that say they are sex workers. Okay, tous les femmes qui travaillent pour le sexe, prostituées. They want to legalize it. On veut légaliser la prostitution. Who do you think wants to legalize that? Qui pensez-vous veut légaliser la prostitution? The usurper. C'est celui qui utilise. He who did not pay a price. C'est celui qui veut voler, celui he qui did n'a pas not payé plant le a field. Il n'a pas planté. And he want to harvest et what he did not plant. Il veut moissonner ce qu'il n'a pas planté. Is it correct? Est-ce correct? So when we stand and say that alors, law, se lève we repeal it in the name of Jesus. Are we doing anything wrong? Est-ce une mauvaise chose que nous faisons? Are we being unreasonable? Est-ce irraisonnable? Are we causing confusion? Est-ce la confusion? We are doing the right thing. Nous faisons la bonne chose. Now, the church has lost the spirit of violence. L'église a perdu son esprit de violence. Violence for righteousness. La violence pour la justice. Violence for purity. La violence pour la pureté. Violence for the kingdom. La violence pour le royaume. And if there's going to be revival, et s'il doit avoir un réveil, that's what will happen. C'est ce qui va se passer. I pray that this dimension the Holy Spirit is bringing to me and you. Je prie que cette dimension que le Saint-Esprit vous apporte à vous et à moi. God will press it deep in your spirit. Le Seigneur va imprégner cela au plus profond de votre esprit. Amen. I know you have got a lot of theological explanation for lukewarmness. Je sais que vous avez beaucoup d'explications théologiques pour la tiédeur. I know we have settled to begin to explain love
Et c'est qu'on s'est assis pour commencer à expliquer l'amour. As ordinary emotional sentiment. Comme un sentiment émotionnel ordinaire. I know we have entered into a generation. Nous sommes entrés dans une génération that lost their lives. Qui a perdu sa vie. But the men that we are talking about now, mais les hommes dont nous parlons aujourd'hui, for whom we want to pray that he will raise. Des hommes dont nous voulons qu'il puisse susciter. So when Jesus saw the world, quand Jésus-Christ a donc vu le monde, he said, "Kai, the harvest is plenty." Il a dit, la moisson est grande. But laborers are few. Mais les ouvriers sont peu. So do you notice that his only problem? Est-ce que vous remarquez que dans son problème is what? Is the laborers. Son problème c'est les moissonneurs. And so he said, "We should pray." Il a donc dit, prions. Say, pray ye the Lord of harvest. Priez le Seigneur de la moisson. That he will send forth. Qu'il puisse envoyer. Laborers. Des ouvriers. Into his vineyard. Dans sa. Laborers. Des ouvriers. And I was wondering, who are these laborers? Et je me demandais qui sont ces ouvriers. And there are few characteristic things about them. Il y a certaines caractéristiques de ces ouvriers. That we must talk about. Qu'on doit nécessairement en parler. But let me take it again. From Mr. Samson. Mais que je reprenne cela de Monsieur Samson. Samson said, "I will not be blameless." Samson dit, je ne serai if pas coupable. If I should do a displeasure to this si people, je dois faire du mal à ces personnes. Because I have paid the price. Parce que j'ai payé le prix. Will Jesus be blameless? Est-ce que Jésus aura-t-il tort? If he does damage to the kingdom of si darkness, faisait du mal au royaume des ténèbres. If he goes to disrupt the system where Satan is confusing the men of our generation, si peut-être détruit le système, talk to me, please. Pour la confusion dans notre génération. Now, maintenant, for Samson, pour Samson, he said, "What are the best things I need?" Il a dit, quelles sont les choses dont j'ai besoin? When Sister Shade was leading us yesterday, quand la sœur Shade nous conduisait hier, he said he didn't go for sheep. Elle a dit qu'il n'est pas allé chercher des agneaux. And he did not go for goat. Il n'est non plus allé chercher la chèvre. You know why? Est-ce que vous savez pourquoi? Goat. Les chèvres. How many of you know some a problem about goat? Qui connaît le problème de la chèvre? Hein? Number one, goat has no tail. Le premier point est que la chèvre n'a pas de queue. My God, this brother is too intelligent. He said, "Goat has no tail, so there's nothing to tie." La chèvre n'a pas de queue, donc ne peut rien attacher. Number two. La deuxième chose. Goat is strong will. La chèvre est tellement têtue, elle a une volonté très forte. Goat anywhere. La chèvre ne te suit pas facilement comme ça. And the next thing you know about goat, goat is greedy. Et la prochaine chose sur la chèvre est que la chèvre est tellement égoïste. If goat get food to eat now, si la chèvre voit où manger maintenant, can you drive it to move from there? Est-ce que tu peux chasser la chèvre de là? There are many people. Il y a beaucoup de personnes that are in the field. Qui sont sur les champs. For what they will eat. Pour ce qu'ils vont manger. And whenever they get a good place where they are eating. Et chaque fois qu'ils trouvent un bon endroit où manger. They lose the sense of their journey. Ils perdent le sens de leur voyage. Don't go anywhere again. Ils ne partent plus quelque part. Do you know that there are people that God had given an anointing that will have blessed the whole community, the whole nation. Il y a des gens à qui Dieu a donné l'onction pour enflammer toute la communauté et la nation. But as soon as they got a place where they are getting good salary. Mais dès qu'ils trouvent un endroit où ils ont un bon salaire. They settle. Ils s'asseyent. Can't move anywhere. Ils ne bougent plus. The work of God is suspended. L'œuvre de Dieu est suspendue. Because they have got something to eat. Parce qu'ils ont trouvé de quoi manger. They can decorate the place. Ils peuvent décorer l'endroit. They are doing programs just to make themselves more comfortable. Ils font des programmes pour se rendre plus à l'aise. They have lost. They don't know where they are going anymore. Ils ont perdu car ils ne savent même pas où ils vont. He didn't go for goats. Il n'est pas allé pour chercher des chèvres. Sheep would have been wonderful. L'agneau devait être merveilleux. Sheep would have been wonderful. L'agneau devait être merveilleux. Especially when we try to look at sheep from the perspective of his following the shepherd.
Si on regarde les agneaux dans la perspective qui suivent souvent le berger. But there's something that sheep doesn't have. Mais il y a quelque chose que l'agneau n'a pas. Doesn't have speed. Il n'a pas la vitesse. Hein? Sheep has no speed. L'agneau n'a pas de vitesse. There's no urgency with sheep. Avec lui, il n'y a pas d'urgence. Are we together? Nous sommes ensemble. For sheep. Pour l'agneau. Where you keep it, it will be there. Où tu le déposes, il reste. And it does not have such initiative to move. Et il ne sait pas prendre des initiatives pour avancer. Actually, en effet, when you look at sheep in the positive, quand tu regardes les brebis et les agneaux positivement, but when you look at sheep also in the negative, et quand tu regardes l'agneau dans l'aspect négatif, sheep is like this. Les agneaux sont, ils dansent à gauche, ils vont à droite. Wherever you push it, it goes. Partout où tu pousses, il va. Whatever you tell it, it will eat. Tout ce que tu donnes à manger, il mange. In one sense, you know, when sometimes you look at people, parfois quand tu regardes les gens, just see that they are sheep. Ils sont comme des brebis. Anybody can say anything, they will follow it. Toute personne peut dire n'importe quoi et ils suivent. There was something about the fox. Il y avait quelque chose en ce qui concernait les renards. That Samson saw. Que Samson a vu. When my wife was helping us yesterday, quand mon épouse nous aidait hier, she helped us to highlight some of the things about the fox. Elle nous a aidé à ressortir certains des points forts que le renard avait. But you know, for me, those are symbols. Mais pour moi, ce sont des symboles. So I didn't intend for us to be talking about symbols. Alors, c'est pas l'intention pour nous de parler des symboles. Because they are only forms. Alors, ce sont des formes, la forme des choses. We must move out of forms to reality. Il faut qu'on sorte de la forme pour aller That's à la why réalité. I didn't want to start doing a lot of study on foxes. C'est pourquoi je ne veux pas qu'on puisse étudier les renards. But fox, something about it is that. Mais quelque chose qui concerne le renard est que. It's violent. Il est violent. Even fox. And let me tell you, fox is voracious. Et que le renard est tellement farouche. Whenever you see fox. Et chaque fois que tu vois le renard. You see a fighter. Tu vois un bagarreur. You see something that is gearing to tear. Quelque chose qui bouge sa tête toujours prêt à déchirer. Even the presentation of a fox comes with threats. Mais la présentation du renard vient avec des menaces. Do you know this? Il fait comme ça. All the animals, small animals, when they run, it's a. Tous les petits animaux, dès qu'ils voient le renard, ils bougent seulement et s'enfuient. Why did he go for fox? Pourquoi est-il allé vers les renards? One other thing about these foxes. Une des choses encore concernant le renard. Is that. If you watch fox first. Est-ce que si vous observez les renards? Do you know that fox doesn't kill to eat first? Le renard ne tue pas pour manger d'abord. His own purpose is first of all to kill. Sa première raison c'est d'abord tuer. Drop it. Déposer. Et partir. It is after he has done that. C'est après qu'il a fait cela. He can now come back. Il peut maintenant revenir. And eat. Et manger. Fox doesn't eat first. Le renard ne mange pas d'abord. Oh non. So, the very critical issue. La chose très critique ici. Is the fact that there was a need. C'est le fait qu'il y avait un besoin. To raise vessels. Le besoin de susciter des vases. That their first interest. Qui avait pour premier intérêt. Is not self-preservation. N'était pas une préservation personnelle. Whosoever loves his life.
Toute personne qui aime sa vie will lose it. Va la perdre. But whosoever hates his life, mais toute personne qui déteste sa vie, qui hait sa vie, has to be ready to lose it for my sake. Et qui est prêt à la perdre à cause de moi. They are the ones that will keep it for eternity. Ce sont ceux-là qui la garderont pour l'éternité. Are you getting me? Vous comprenez? So when Jesus Christ was recruiting the kind of disciples he was going to release, alors quand Jésus-Christ recrutait le genre de disciples qu'il devait utiliser, he began to deal with something in them. Il a commencé à traiter avec quelque chose qui était en eux. So let him deny himself. Il a dit qu'il renonce à lui-même. Whosoever does not hate his father, his mother, his sister, his brothers, including his own life, quiconque ne déteste pas son père, sa mère, ses frères et soeurs, y compris sa propre vie, cannot do this job. Ne peut pas faire ce travail. He cannot be my disciple. Il ne peut être mon disciple. Do you remember he said something like, vous vous souvenez qu'il a dit quelque chose de ce genre? He was beginning to look for the kind of people, il commençait déjà à chercher le genre de personnes, that will help him to handle the harvest, qui va l'aider à gérer la récolte, la moisson. He was beginning to prepare a people, il commençait déjà à préparer un peuple, that have no love for self, qui n'a pas d'amour de soi, l'amour and they are de not soi, looking for self-preservation, qui ne cherche pas une préservation personnelle. There are people that are willing to die if need be for the sake of les following. Personnes qui sont prêtes à mourir si le besoin se présente à cause de Jésus. So as soon as he was catching them, et une fois qu'il il se saisissait d'eux, he was confronting them with something that maybe we don't preach again. Il a confronté avec quelque chose que peut-être ne prêchons plus encore. He was confronting them. He was confronting them. Il les confrontait. He was saying, et il disait, whosoever he be of you, quiconque que vous soyez, that does not hate his father, mother, sister, brother, and his own life also, et qui ne hait son père, sa mère, ses frères et soeurs et sa propre vie, my disciple, il ne let peut him go, pas être mon disciple, il n'a qu'à s'en aller. Whosoever he be of you that does not take his cross and follow me daily cannot be my disciple. Toute personne qui ne porte ma croix et ne me suit ne peut être mon disciple. And whosoever he be of you that does not forsake all that he has, he cannot be my disciple. Toute personne qui n'abandonne tout ce qu'il a ne peut être mon disciple. When he said that, was he cajoling them? Quand il disait ça, est-ce qu'il les suppliait, est-ce qu'il les cajolait? Was he deceiving them? Est-ce qu'il les décevait? Was he telling them, if you follow me, you will become a millionaire? Est-ce qu'il leur disait, si vous me suivez, vous deviendrez des millionnaires? Do you know that right from the onset, est-ce que vous savez que dès le départ, the kind of fire that he wanted to kindle on the earth, le genre de feu qu'il voulait allumer sur la terre, the kind of fire that he said, I'm constrained, I wish it has been kindled already, le genre de feu qu'il disait que je suis contraint, et j'aurais souhaité que ce soit déjà allumé, demands that the kind of people that he will release, demande que le genre de personnes qu'il va libérer, they are not people who are looking for self-preservation, ne sont pas des personnes qui cherchent la préservation. You du see, soi. Every time we want to do something, chaque fois qu'on veut faire quelque sometimes chose, I listen to some people, parfois j'écoute certaines personnes, they will first see problems, ils vont d'abord voir le problème, they will first talk about inconvenience, ils vont parler de they will first de talk about, and we again, you know, and you see, God vous understands, voyez, I wish, it's okay, c'est I just, bon, c'est bon, I just, it's all right, just c'est leave bon. This brother alone, laisse leave le problème. It. Such people can't move anything forward. De telles personnes ne peuvent rien faire avancer. At best, au plus, they can help to fill up the chairs. Ils peuvent aider à remplir les chaises. Don't make a mistake to make them a leader of a team. Ne soyez pas une erreur de les amener à être dirigeant d'un groupe. Nothing will move. Rien ne va avancer. They will always complain, hey, this thing is not there, this thing is not there. Il if we have ça, this thing, we don't have ceci, this one, on this pas one cannot be done, that one cannot be done. Such persons, they love themselves. De telles personnes s'aiment tellement. They love self. Ils s'aiment. Self-preservation. La préservation du soi. Self-convenience. Ils aiment être à l'aise. Jesus knew, Jésus savait, that those who love themselves, que ceux qui s'aiment, cannot do this job. Ne peuvent pas faire ce travail. And I want you to check. Et je veux que vous puissiez vérifier. All those who spearheaded revival, tous ceux qui ont dirigé le réveil. Please check. Vérifiez. You will see there's one character about all of them. Vous verrez qu'ils ont tous un caractère commun.
They did not love themselves. Ils ne s'aimaient pas. Look at it. Just check. Vérifiez. Those who push the program of God a distance. Ceux qui ont fait avancer le programme de Dieu à une distance. There's that characteristic of all of them. Ils avaient ce caractéristique en eux. None of them. Aucun d'entre eux. Regarded their lives as anything to them. N'a regardé sa vie comme quelque chose à chérir. Do you remember there was a man that said that? Vous vous souvenez qu'il y a un homme qui a dit cela? Said, but I do not regard my life as anything to me. Il dit mais je ne regarde pas ma vie comme quelque chose. Who said that? Qui a dit ça? Oh. Do you remember what Stephen said? Est-ce que vous rappelez, vous souvenez ce que Étienne a dit? And they were stoning him. Et qu'on le lapidait. Do you remember Peter? Est-ce que vous vous souvenez de Pierre? They said, look. Ils ont dit, regardez. It will not matter. Il n'y a pas de problème. Whether you believe or not, we will not. Si vous croyez ou pas, mais nous, on ne va pas. They beat them. On les a battus. Cast them into prison. On les a mis en prison. As they were in the prison. Et même étant en prison. Jesus appeared. Jésus est apparu. Stand up. Lève-toi. Go back there. Va là-bas. What is that? Qu'est-ce que c'est que ça? What is that? Ça c'est quoi? That's violence. C'est la violence. They told you not to say something. On t'a dit de ne pas parler. They call you before the council. On t'a appelé devant le conseil des anciens. And they gave you a clear warning. On t'a donné un avertissement Don't ferme. Don't preach in this name ne again. Prêche plus, ne prêche plus en ce nom. And the following day. Et le lendemain. Jesus came and said. Jésus revient dit. Where they said you should not preach, go on back. On t'a dit de ne pas prêcher, vas-y. And go and preach the words of Va this life. Va prêcher la parole. What was Jesus looking Qu'est-ce for? Qu'est-ce que Jésus cherchait? Was he not looking for problems? Ne cherchait-il pas des problèmes? I don't know how some of you are reading your Bible. Je ne sais pas comment certains d'entre vous lisent votre Bible. And you didn't see something. Et vous ne voyez pas quelque chose. That the Acts of Apostles. Que les Actes des Apôtres. Was a violent book. Est un livre violent. Violent. Read your Bible again. Check it. Lisez encore vos Bibles, vérifiez. And be careful that you are reading with a correct spirit. Et faites attention de lire avec un bon esprit. You will see. Vous verrez. That Jesus. Que Jésus. Sincèrement. He came to set fire on the earth. Est venu allumer le feu sur la terre. He came to set the fire. Il est venu allumer le feu. And since that time, et depuis ce temps-là, John the Baptist started this thing. Jean-Baptiste a commencé. And it has gone on. Et Jean-Baptiste a commencé avec cela et ça continue. So what kind of foxes? Alors quel genre de renards? Foxes that. And thank you yesterday, the Lord began to show us that something must have happened to those foxes themselves. Dieu a montré hier que quelque chose a dû arriver à ces renards. How could they have waited to be tied? Comment ont-ils fait pour attendre afin d'être attachés? God has conquered something in their lives. Dieu a vaincu quelque chose dans leur vie. God has taken something out of their lives. Dieu a ôté quelque chose de leur vie. And can you see when he was putting fire on their tail? Et quand il mettait le feu sur leur queue. Do you not know that the foxes realize that so we are going to be roasted alive? Ne savez-vous pas que les renards ont remarqué qu'ils devront être braisés? Oh Lord, you are not getting me now. I'm sure that you are only thinking about the Philistine field that burnt. Vous pensez seulement au champ des Philistins. But don't you know what burnt first? Qu'est-ce qui a d'abord brûlé? Eh? The foxes les themselves, they are four. The four. C'est-à-dire leurs poils. We are getting burnt. Se brûlaient. They themselves were getting burnt. Eux-mêmes se brûlaient. I want to tell you. Je veux vous dire. You can't kindle fire when you are not burning. Vous ne pouvez pas allumer le feu si vous ne brûlez déjà pas. I have never seen anything, any stick of match that got fire and it was not burnt. Je n'ai pas vu une bûchette d'allumette qui allumait un feu sans être brûlé. If we are just talking about setting other people on fire and we are not burning, we are hypocrites. Nous sommes en train de dire qu'on va allumer d'autres personnes sans que nous ne soyons allumés, nous sommes des hypocrites. Only fire begets fire. Ce n'est que le feu qui donne naissance au feu. We can talk about fire. On peut parler du feu. Preaching about fire does not bring fire. Prêcher du feu n'apporte pas le feu. What brings fire? Qu'est-ce qui apporte le feu? It's fire that brings fire. C'est le feu qui apporte le feu. So you see the foxes themselves. Alors les renards eux-mêmes.
Now let me ask you. Sorry to talk to you. After the Philistines' farm were burnt, were the foxes recovered? Est-ce quand le champ des Philistins se brûlait, est-ce que les renards ont survécu? Talk to me. Parlez-moi. We were not told. On nous a pas dit. They actually. Mais en effet. Got burnt. Ils sont brûlés. With the fire. Avec le feu. They serve their purpose. Ils ont servi pour leur but. Me. Moi. Me. Moi. I don't want to be alive. Je ne veux pas être vivant. Outside the purpose for which I was born. Hormis la raison pour laquelle je suis né. It's of no use to me. Cela ne m'est pas utile. I don't. What am I doing here? Qu'est-ce que je fais ici? Brothers and sisters, what am I doing in this world? Frères et sœurs, qu'est-ce que je fais dans ce monde? If it is not to do and to finish the work of him that sent me, what am I doing here? Si ce n'est de faire et d'accomplir l'œuvre pour qui de celui qui m'a envoyé. What am I doing here? Qu'est-ce que je fais ici? What is the essence of being alive? Quelle est l'importance d'être vivant? If it is not to do the will of him that si sent me. De faire la volonté de celui qui m'a envoyé. And to finish his work. Et d'accomplir son œuvre. What am I doing here? Qu'est-ce que je fais ici? What do I want to be here for? Qu'est-ce que je veux être ici pour faire? What is this life? Quelle est dans cette vie? What does life mean? Qu'est-ce que la vie veut dire? Is it to eat? Est-ce de manger? Is it to dress? S'habiller? And so what? Et puis quoi encore? Is it to build houses? Est-ce de bâtir des maisons? And so what? Et puis quoi encore? On how many beds can you sleep in one night? Combien de lits pouvez-vous dormir en une seule nuit? Abba, what are you living for? Vous vivez donc pour quoi? What are you about? Vous êtes quoi? And why do you want to be alive? Et pourquoi voulez-vous être vivant? These foxes. Ces renards. They took their destiny. Ont pris leur destinée. As they went into the fire. Quand ils allaient dans le feu. As they were setting the place ablaze. Quand ils affamaient. They were themselves burning. Eux-mêmes, ils étaient en train de brûler. And as they were running from here and there. Et pendant qu'ils couraient ici et là. Tail to tail. Queue à queue. The purpose of Samson was being fulfilled. Le but de Samson était accompli. By the time Samson had finished that. Du moment où Samson a fini ça. The people said, who did this? Le peuple a demandé, mais qui a fait ça? Nobody talk of foxes. Personne n'a parlé des renards. Who did they talk about? On a parlé de qui? We need people here. On a besoin des personnes when ici. When things will have happened. Que quand des choses vont se produire. We will not mind that we don't talk about them. On se souciera pas du fait qu'on ne parle pas it's de not vous. About my name. Ce n'est pas mon nom. It's not about my name. Ce n'est pas mon nom. They say, who did it? On dit, qui a fait ça? They say, Jesus. On dit, Jésus. How many of you are desiring? Combien de vous désirez? That it will be Jesus. Que ce soit Jésus. That it's not about you. It's not about your name. Que ce soit pas vous. Ce soit pas it's votre not gloire. About your glory. Pas votre gloire. It will be about him. Mais que ce soit lui. And him crucified. Et lui seul crucifié. That's the characteristic of this ça, man. Ça caractéristique de cet homme. This kind of man that Jesus was recruiting. Des hommes que Jésus recrute. This kind of man that he was looking for. Des hommes qu'il recherche. They are the kind of laborers he said we should pray for. Ce sont le genre d'ouvriers qu'il nous demande d'avoir. Laborers who are selfless. Des ouvriers qui ne sont pas. Laborers who are not seeking to make a name. Qui ne cherchent pas à se faire un nom. Laborers who are not just living to live. Qui ne vivent pas pour simplement vivre. Did you hear me? They are not just living to live. Ils ne vivent pas pour vivre. They are not fighting to be alive. Ils ne luttent pas avec pour leur vie. I praise God for all those that Jesus recruited. Je loue Dieu pour tous ceux qu'il a recrutés. If you have space, si vous avez de l'espace, study all of their lives. Étudiez chacune de leur vie. Most of them, la plupart d'entre eux, died violently. Ont sont morts d'une façon violente. Oh my God, are we? Am I going to get foxes in this meeting? Est-ce que je vais trouver des renards ici? You think Jesus is going to get foxes? Pensez-vous que Jésus va-t-il trouver des renards? To start with. Avec qui commencer? Eh? There were people that were not dreaming about dying gently. Il y a des personnes qui ne rêvaient pas mourir d'une façon douce.
There are some things that I have found very foolish. Il y a des choses que j'ai trouvées comme très insensées. Some are so concerned. They say, "When I will die, I like to do." Quand je vais mourir, Seigneur, que j'ai couché simplement. What does that mean? Qu'est-ce que cela veut dire? How does that? What does that do to you after you are dead? Qu'est-ce que cela peut changer à ta mort ou faire à ta mort? Do you not see some kind of idiosyncrasies that Satan has introduced to some of us, and you are doing like this? Ne vois-tu pas certaines idiosyncrasies que Satan a introduit et nous sommes en train de les respecter? Peter kept preaching. Pierre continuait à prêcher. Until they arrested him. Jusqu'à ce qu'on l'arrête. And when they were to kill him. Et quand on devait le tuer. According to stories. Selon l'histoire. This is not in the Bible. Ça, they wrote it down. They said écrit. They were to crucify him. On devait le crucifier. And he said. Et il a dit. It will be wrong. Ce sera une mauvaise chose. For they to crucify him like they did his pastor. Pour moi d'être crucifié comme on a crucifié mon that pasteur. That they should crucify him upside down. Crucifiez-moi en l'envers. John. He was the last of the apostles. Il était le dernier des apôtres. And we were told. Et on nous a dit. They abandoned him. On l'a abandonné. On the island of Patmos. À l'île de Patmos. When they put him into boiling oil and he will not die. Quand on l'a jeté dans de l'huile bouillante et qu'il n'est pas mort. Just for the gospel. Juste pour l'évangile. Just for the gospel. Simplement pour l'évangile. James was beheaded. Jacques, on a coupé sa tête. Just for the gospel. Juste pour l'évangile. Thomas went to India. Thomas est allé en Inde. And in India. Et là-bas en Inde. When he had finished. Quand il avait fini. It was by violence. C'est par violence. That they were all dead. Qu'ils sont tous morts. All of them. Tous. All the foxes that he recruited. Tous les renards qu'il a recrutés. They went with the fire. Sont tous partis avec le feu. What do you want to go with? Quand tu veux partir avec quoi? Let me ask you, what will kill you? That's what I'm asking. Ma question est, qu'est-ce qui va te tuer? What will kill you? Qu'est-ce qui va te tuer? Do you know it's a glorious thing? Est-ce que vous savez que c'est une chose glorieuse? That let it be the gospel that killed me. Que ce soit l'évangile qui te tue. It's glorious. C'est glorieux. They say they killed him when he was preaching. On dit on l'a tué quand il prêchait. It's more glorious. C'est plus glorieux. Don't let it be written that and he died. Que ce soit pas écrit que bon et il est mort. What killed him? Qu'est-ce qu'il a tué? Gonorrhée a killed. La gonorrhée. No. You know, it's a painful thing. They say a man of God died. What killed him? HIV killed him. Un homme de Dieu est mort. Qu'est-ce qu'il a tué? Le sida. What is the meaning of this? Qu'est-ce que cela veut dire? I want to die. Si je dois mourir. When I'm going to die. Quand je vais mourir. I want to die with the fire. Je veux mourir avec le feu. Let it be the fire. Que ce soit le feu. That also consumed me. Qui me consume aussi. And led by the grace of God. Je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Let my death. Que ma mort. Also cause the fire. Cause le feu. When they say Bragbile is dead. Quand tu dis le frère Gbile est mort. Let there be many, many foxes that will arise. Qu'il y ait beaucoup de renards qui vont and se lever. And they will say, eh? So he is dead. I'm also going now. Donc, il est mort là-bas, moi aussi j'irai. Let my death also cause fire. Que ma mort soit une occasion de feu. That's what I'm begging God. C'est ce que je veux avoir. I don't want to live for anything else. Je ne veux pas vivre pour autre chose. So, this kind of foxes. Alors ce genre de renards. That did not count their lives to be anything. Qui n'ont pas vu la vie comme étant quelque chose. I hope you know I have left Samson's foxes. J'espère que vous savez que j'ai laissé les renards de Samson. Whose foxes am I talking about now? Je parle de quels renards? Jesus' foxes. Je parle des renards de Jésus. Because he went and recruited them. Parce que lui, il allait les recruter. He caught men. Il a attrapé des hommes. He caught men. Il a attrapé des hommes. Hallelujah. One fox was on the road to Damascus. Un renard était sur le chemin de Damas. Using all the grace of God in his life for the devil. Utilisant toute la grâce de Dieu dans sa vie pour le diable. Jesus said this one. Et Jésus a dit celui-ci. This one. Celui-ci. Is part of my fox. Il
fait partie de mes renards. But Satan is borrowing him. Mais Satan l'emprunte maintenant. So what did he do? Alors, qu'est-ce qu'il a fait? He went and caught him. Il est allé le se saisir when de lui. Paul was caught. Quand Christ a saisi Paul. And his life was changed. Et que sa vie était changée. Did you see what Paul alone did? Est-ce que vous voyez ce que Paul seul a pu faire? Did you see how many fields of the Philistines he set on fire? Combien de champs des Philistins il a embrasé? Hein? Oh my God! I'm looking at this man. I say, Lord, je Lord, we don't have such men again. On n'a pas de telles personnes encore. Paul went somewhere. He was preaching. Paul allait quelque part pendant qu'il prêchait. And he cast out a demon. Il a fait sortir un démon. Are you hearing me? And the people gathered. Et le peuple s'est rassemblé. And there was a protest. Et il y avait une protestation. And they were beating this man. Et on le frappait. And they dragged him on the floor. Et on l'a tiré par terre. You are too protected. Vous vous protégez tellement. You don't want any suffering. Vous ne voulez pas du tout de souffrance. I'm telling you, people from UK, from Europe, from de anywhere. L'Angleterre, de l'Europe. What brought revival before? Ce qui apporte le réveil avant dans ces pays. Men who were ready to die. Étaient des hommes qui étaient prêts à mourir. They were called dissenters. They were given nicknames. On leur donnait des noms. And they were chased from place to place. On les chassait partout où ils allaient. William Tyndale was chased from place to place. William Tyndale, on l'a chassé d'un endroit à l'autre. For venturing to translate the Bible into English. Parce qu'il a essayé de transcrire la Bible en anglais. They were chasing him everywhere. On le chassait partout où il allait. They couldn't catch him until they got to Belgium. On n'a pas pu l'arrêter jusqu'à ce qu'il soit allé en Belgique. And in Belgium they caught him. Et en Belgique on l'a arrêté. And they brought him back to the stake. Et on l'a ramené. And they tied him. On l'a attaché. And set fire on that man. On a mis le feu sur How lui. Can I be reading the Bible? Comment est-ce que je peux être en train de lire la that Bible? A man was roasted alive because he translated it. Un homme a été brisé vivant parce qu'il a traduit cela. And if anybody were to shout, I will quickly hide that Bible. Si quelqu'un doit crier rapidement, je cache ma Bible. Non. I want you to ask God, Lord, change my understanding. Demandez à Dieu, Seigneur, change mon entendement. Put violence in my spirit. Mets la violence dans mon esprit. Deliver me from myself. Délivre-moi de moi-même. Self-pleasure. Le plaisir. Self-preservation. Chercher toujours à se protéger. Self-defense. À se défendre. Everything about self. Tout ce qui concerne le moi. I'm here and saying, no, God doesn't want us to be unreasonable. Et Jean dit non, Dieu ne veut pas qu'on soit irraisonnable. Let me tell you that those brothers did what was unreasonable. Que je vous dise que ces frères ont fait des choses irraisonnables. We have told you that if you preach this again. On vous a dit que si vous prêchez ceci encore. Why should you go and do something? Pourquoi vas-tu aller faire telle chose? But they did it. Ils l'ont fait. And they were punished for it. Et ils étaient, on leur a puni pour cela. They were beaten for on leur a battu. But while they were beating them, et pendant qu'on les battait, they were praising God. Ils étaient en train de louer and Dieu. What was their praising? Et quelle était leur louange? That they were counted worthy. Et c'est parce qu'ils sont comptés dignes. To do what? De faire quoi? To suffer. De souffrir. To them. Pour eux. Suffering for Jesus was a privilege. La souffrance pour Jésus était un privilège. So many of them were looking for it. Alors, plusieurs d'entre eux cherchaient cette chose. I've not got a privilege to be beaten for Jesus. Je n'ai pas encore eu le privilège d'être battu pour Christ. I've not got a privilege to be in prison for Jesus. Le privilège d'être emprisonné pour Jésus. I've not got a privilege for somebody to pour water on my head first. Le privilège que quelqu'un verse de l'eau sur ma When tête. When will I have this privilege, Lord? Quand est-ce que j'aurai ce privilège, Seigneur? Alléluia. Do you want us to pray together? Veux-tu que nous puissions prier aujourd'hui? Do you understand the fire we are asking? Est-ce que vous comprenez le feu dont nous sommes en train de parler? I have been looking at the word of God. Je regarde la parole de Dieu. Let me finish reading it. Que je finis la lecture de cette parole. I'm still Luke 12. Luc chapitre 12. Luke 12. I'm reading again from the English Standard Version. This is now ESV, in case King James is confusing you. Il lit une autre version. He said. Et cette version l'a dit. Do you think that I have come to give peace on earth? Est-ce que vous pensez que je suis venu apporter la paix sur la terre? No, I tell you. Je vous le dis. But rather,
division. Plutôt la division. For from now on, qu'à partir de cet instant, in one house, dans une maison, there will be five divided. Il y aura cinq qui seront divisés. Three against two. Trois contre deux. And two against three. Et deux contre trois. They will be divided. Ils seront divisés. Father against son. Le père contre le fils. Son against father. Le fils contre le père. Mother against daughter. La mère contre la fille. And daughter against mother. La fille contre la mère. Mother-in-law against her daughter-in-law. Belle-mère contre belle-fille. And daughter-in-law against et mother-in-law. Et belle-fille contre la belle-mère. And he went on. Il a continué. So I want to conclude by saying. Je veux conclure en disant. If this is the word of God. Si ceci est la parole de Dieu. This is the plan of God for us. Si ceci est le plan de Dieu pour nous. Having laid down his life. Ayant donné sa vie. Having paid the price for our deliverance. Ayant payé le prix de la délivrance. Having poured, you know, he's not asking us to go and reap where he has not sowed. Il ne demande pas d'aller récolter où il n'a pas semé. He has sowed. Il a déjà semé. He has invested. Il a investi. He has paid a price. Il a payé le prix. And that's why we have every reason. Et c'est pourquoi nous avons toute raison. To disrupt the enemy's kingdom. De détruire le royaume de l'ennemi. To oppose the principles of darkness. De s'opposer aux principes des ténèbres. And to set the land on fire. Et d'embraser la terre par son feu. I talk about the last thing about this fire and then you will pray. Alors je vais parler de la dernière chose concernant ce feu puis on va prier. This fire is going to do two things. Ce feu va faire deux choses. It will release men who are in bondage. Elle va libérer les hommes qui sont dans l'esclavage. It will destroy the work of Satan. Elle va détruire l'œuvre de Satan. Do you understand these two things? Vous comprenez ces deux choses? Hein? He said, "For this cause." Il dit pour cette cause. The Son of God was manifested. Le Fils de Dieu s'est manifesté. To do what? Pour faire quoi? Hein? C'était pour faire to quoi? To destroy what? Pour détruire. The works of les Satan. Les œuvres de Satan. I know that Satan himself does not like this kind of meeting. Je sais que Satan lui-même n'aime pas ce genre de réunion. He does not like this kind of instructions. Il n'aime pas ce genre d'instruction. Neither does he like us to raise this kind of disciples. Et il n'aime pas qu'on ait ce genre de disciples. He does not want us to raise men who are dead to self. Il ne veut pas qu'on puisse avoir des hommes qui sont morts au péché. Who can shout and tell the world? Let the world not trouble me again. Qui peuvent crier et dire au monde ne nous dérange plus. I bear in my body. Je porte en mon corps. The marks of Christ. Les maîtrisus de Christ. You know what he meant to say? Est-ce que vous savez ce qu'il voulait pas dire? I am dead to the world. Je suis mort au péché. I don't care about the world. Je m'en fous du monde. I'm not concerned about the world. Je ne suis pas préoccupé par le monde. The world is dead to le me. Le monde à moi est mort. Those were their language. Ça, c'était leur langage. Those were their determination. C'était leur détermination. Those were their commitment. C'était leur engagement. So, why we will pray? Alors, pendant qu'on va prier, why we will call on God? Et qu'on va invoquer le nom du Seigneur, why I want you to deliberately say, Lord, ce que je veux que vous puissiez consciemment dire est, Seigneur, whatever remains of my life, tout ce qui reste de ma vie, I want to invest it in this fire. Je veux investir cela dans ce feu. Set me on fire. Il faut m'allumer. Tear my heart. Déchire mon cœur. Tear my heart. Déchire mon cœur. Melt my heart. Fais fondre mon cœur. Felt deal with my situation. Il faut traiter, t'occuper de ma situation. And give me opportunity. Et donne-moi l'opportunité. To be part of what you say from now on will be happening in the world. De faire partie de ce que tu diras qu'à partir de maintenant va se produire dans le monde. Are you hearing me?
Oh, my brothers, are you hearing me? Mes frères, vous me comprenez? I want you to know. Je veux que vous sachiez. That everywhere the kingdom of God was established. Que partout le règne de Dieu est établi. It was established by violence. C'était établi par la violence. As I'm sitting in Thiveland here. Pendant que je suis assis dans le pays Thive. The gospel was established in this place. L'évangile était établi ici. But when I read the way the people that brought the gospel labored. Mais quand j'ai lu la façon que les personnes qui ont apporté l'évangile ont travaillé. They were violent. Ils étaient violents. They were violent against self-pleasure. Ils étaient violents contre le plaisir de soi. They were ready to die. Ils étaient prêts à mourir. And so they got a grip. Alors ils ont saisi de quelque chose. For God. Pour Dieu. But usually. Mais habituellement. When such men have gone. Quand de telles personnes partent. And there are no more laborers of their kind. Et qu'il n'y a plus des ouvriers de leur genre. The world system takes over. Le système du monde prend le dessus. Are you together with me? That's the issue. Ça c'est le problème. So again. Et encore une fois de plus. Again. Une fois de plus. If God is going to move forward. Si Dieu doit avancer. Such disciples are to be raised. De tels disciples doivent être suscités. Such foxes are to be caught. De tels renards doivent être attrapés. And tail to tail they must be tied. Queue à queue ils doivent être attachés. And fire put on them. Et le feu allumé. We will pray now. Maintenant nous allons prier. Two prayers that God had given us to pray since deux morning. Deux sujets de prière. The first prayer. Le premier sujet. That God will help you to see. Et que Dieu nous aide à voir. That everybody you see on the street. Que toute personne que nous voyons dans la rue. What did God call them? Qu'est-ce que Dieu appelle ces personnes? Their harvest. Ils sont la moisson. Because a price was paid. Parce qu'un prix a été payé. A price was paid. Un prix a été payé. I want God to give you faith to know. Ce que Dieu vous donne la foi afin de savoir cela. That the most notorious of a sinner. Que le plus grand des pécheurs. Is a harvest. Est une moisson. Huh? Is a harvest. Il est une moisson. And each one of them. Et tout un chacun d'eux. When they are caught. Quand ils sont saisis. They are also a beginning of the barley harvest. Ils sont aussi le commencement de la moisson divine. Because as one of them is caught, parce que quand l'un d'eux est attrapé, he joins the harvest force. Il se rejoint à la force de and la moisson. He also brings in the harvest. Et lui aussi ramène la moisson. Are we together? We're going to ask God. On va demander à Dieu. Lord, Seigneur, open our eyes to see the harvest. Ouvre nos yeux afin de voir la moisson. Lord, Seigneur, help us no longer to see problems. Aide-nous à ne plus voir des problèmes. Help us to see harvest. Mais plutôt à voir la moisson. Help us to see harvest. Aide-nous à voir la moisson. Help us to see our nation as harvest. À voir nos nations comme étant la moisson. Help us to see the secondary school children as harvest. Les écoles secondaires comme étant aussi la moisson. Help us to see the women on the street as harvest. Les hommes sur la rue comme étant de la moisson. Help us to see even those that are speaking against us as harvest. Même pour ceux qui parlent contre nous, voyons-les comme la moisson. Help us to see the gay movement as harvest. Le mouvement des gays comme étant de la moisson. Lord, open our eyes to see the harvest. Seigneur, ouvre nos yeux afin de voir la moisson. So that our understanding will be correct. Pour que notre entendement, notre compréhension soit correcte. Lord, deliver us from being inside the cage, looking down. Délivre-nous de rester dans la case en train de regarder par terre. And seeing the people as if they are our oppressors. Et voyons des personnes comme s'ils étaient nos oppresseurs. Lord, help us to see them. Aide-nous à leur voir. As harvest. Comme étant la moisson. That's the first prayer. C'est le premier sujet de prière. I know why I'm asking you to pray. C'est la raison pour laquelle je vous demande de faire cette prière. Until God gives you a perspective. Jusqu'à ce que Dieu vous donne une perspective. You may not see possibility. Vous ne pourriez pas voir la possibilité. You may only see the way they are so
They are so fearful and so aggressive. Vous voyez comment ils sont tellement craintifs et agressifs. You may not see that actually in that aggression is the harvest. Vous ne pouvez pas voir que en effet dans cette aggression se trouve la moisson. I want you to pray and say, God. Je veux que tu pries et dis, one le of Seigneur, the things you should impart to my heart before I leave Boko. Une des choses que tu dois impacter dans mon cœur avant que je ne quitte Boko. Is your own perspective of this man. C'est à pas de perspective en ce qui concerne ces hommes. That they harvest. Qui sont la moisson. And that they are plenteous. Et qui sont nombreux. Can we pray about that? Est-ce qu'on peut prier d'abord? Would you like to pray about that? Voulez-vous prier? That's the first thing. Let's pray. Levons-nous. Let's pray. Et prions. Some of them are violent Muslims presently. Certains sont des musulmans violents présentement. Because the enemy caught them and was using them for his own agenda. Parce que l'ennemi s'est accaparé d'eux et leur utilise pour son programme. But he never paid the price for them. He never died for them. He never shed his blood. Mais l'ennemi lui n'est jamais mort pour eux, n'a jamais versé son sang. It was Jesus that shed the blood. C'est Jésus qui a versé son sang. It was Jesus that shed the blood. C'est Jésus qui a versé son sang. Ask God to reveal it to you. Demande Lord, à Dieu de te révéler cela. Cause me to see. Seigneur, de la moisson, amène-moi à voir. The harvest is plenteous. Que la moisson est grande. Even though the laborers are few, but let me first see the harvest. Même que les ouvriers sont peu nombreux, mais que je voie d'abord la moisson. Give me the perspective that this world is the harvest. Donne-moi la perspective de voir que ce monde est cette moisson. That the city is the harvest. La ville et la cité est la moisson. That these millions of people are the harvest. Que ces milliers de personnes sont la moisson. That our neighbors are the harvest. Que nos voisins sont la moisson. Because the price was paid for them. Parce que le prix est aussi payé pour eux. Thank you, Jesus. Shall we agree together that because a seed was planted, the blood was shed, the baptism that constrained him had taken place. Est-ce qu'on peut être en accord que le sang était versé, le baptême qui l'empêchait, le contraignait de faire cela a eu lieu. Our master had no blame if he were to set this world on fire. Notre maître n'aura pas tort s'il doit enflammer, allumer le feu. Can we agree on that together right now? Est-ce qu'on peut être en accord? So can we say, declaring, I want to declare, I say, Lord, it is right for you to rule. Déclarer que Seigneur, il est bon pour toi de régner. It is right for you to reign. Il est juste pour toi de régner. It is right for the kingdom of this world to become your own. Il est juste que le royaume de ce monde t'appartienne. So we want to stand and tell the kings of the earth, lift up your heads, O ye everlasting doors, and let the King of glory come in. Will you declare that? You, the ancient doors, O you ancient doors, everlasting doors, you have locked men up. You have tied them down for years, and it looks as if you have kept them in your cage. Lift up your heads. Lift up your heads, O you gates, and be ye lift up, O ye everlasting doors, and let the King of glory come in. Let's declare that. Let's declare that. Déclarons cela. Samson said, I will not be blameless. Samson dit, je n'aurai pas if I do displeasure to these people. Si je fais, our Lord will be blameless. Mon Seigneur n'aura pas tort. He will be blameless. Il sera sans blâme. Even if he set on fire. Même s'il allumait le feu. Oh, curse God right now that the sleep of death, this relaxation in compromise, let it be disrupted from this meeting in the name of Jesus. Oh, Bakaya Tarabasamba.